Bonsoir mesdames, messieurs. Je suis ravie ce soir de vous accueillir pour une nouvelle conférence. Donc nous accueillons monsieur Thierry Sarment dans le cadre de ce cycle de conférences consacré à Nicolas Fouquet, surintendant et les arts. Donc merci monsieur Sarment d'être parmi nous. Donc, pour vous présenter, parce que c'est important, vous êtes archiviste paléographe, historien, numismate émérite. Vous êtes conservateur en chef du patrimoine, responsable de la collection numismatique du musée Carnavalet. Vous êtes également le directeur adjoint du musée, mais vous avez depuis longtemps déjà une carrière très très importante dans le milieu des musées et des collections numismatiques. Et notamment, donc, vous avez été directeur adjoint du cabinet des médailles de 2006 à 2009 et directeur adjoint donc, de ces cabinets également. Donc, je suis ravie de vous accueillir ce soir pour justement parler un petit peu de Nicolas Fouquet et de son goût moins connu pour l'art de la médaille et des monnaies. Et donc, évidemment, nous connaissons davantage Nicolas Fouquet pour son goût pour les arts, l'architecture, la sculpture, la peinture, mais le domaine numismatique est quelque chose justement d'assez méconnu. Donc, nous allons ensemble essayer de retracer un petit peu le goût de ce personnage étonnant pour cette discipline. Et notamment, je vais avoir plein de collections, mais j'invite aussi le public, s'il le souhaite, à poser des questions de façon à rendre cette discussion vivante et sympathique. Alors ainsi, replacer Nicolas Fouquet dans le monde des grands collectionneurs de monnaie médailles est quand même un sujet qui n'est pas si évident de prime abord. Et donc ma première question est de savoir, en fait, est-ce que Nicolas Fouquet possédait une collection de médailles et de monnaies importantes, et quelle en est finalement l'origine ? Est-ce que vous avez pu, de votre côté, trouver des éléments qui permettent d'aller dans ce sens ? Alors le malheur de la collection de Fouquet, sa collection de monnaie et médailles, c'est qu'on sait qu'elle a existé et on ne sait pas beaucoup d'autres choses. Alors, il y a un faisceau d'informations qui sont généralement parcellaires et qu'on peut dérouler, d'ailleurs qui se déroule sur trois générations. Le père de Fouquet lui-même, et son fils. Donc il s'agit d'une famille de magistrats parisiens. Ça a son importance pour expliquer le goût pour la numismatique. Le père a eu une collection de médailles, mais il l'aurait vendue avant sa mort. Et donc son fils n'en aurait pas hérité. Il aurait pu transmettre un intérêt pour les monnaies et médailles à son fils, mais pas davantage. Bon. La collection du surintendant lui-même, on en a une connaissance partielle par un inventaire qui est fait après l'arrestation de Fouquet en 1661, même quelques années après, par Thomas Lecointre, ce qu'on appelle un antiquaire du roi, donc un personnage qui est pensionné pour ses connaissances d'antiquaire, sur la science des antiquités. Et c'est une collection dont on a toujours noté qu'elle était étonnamment peu importante quand on la rapporte à la fortune de Fouquet et à ses ambitions de mécène et d'amateur d'art. Alors, dans cet inventaire de 1667, on voit apparaître 57 médailles d'or. Le mot médaille, vous en désignez aussi bien des monnaies au sens actuel que des médailles. Et puis, 400 médailles d'argent et un peu de bronze. Bon. Et alors, ce qu'on peut supposer, c'est que, en fait, cette collection inventoriée n'est que la partie apparente de la collection existante et que, comme d'autres... comme d'autres objets ayant appartenu à Fouquet, ils ont pu être mis de côté, mis à l'abri, pour échapper aux confiscations qui ont fait suite au procès et à la condamnation du surintendant. Voilà. Mais on n'en a pas retrouvé trace, si ça a été mis éventuellement à l'abri. La trace indirecte, c'est que le fils de Fouquet, le comte de Vaux, meurt en 1705, et à cette occasion est dressé un inventaire après décès, comme souvent pour les personnages assez fortunés. Et là, on voit apparaître une collection assez importante, qui pourrait
être celle du Père comme avoir été constituée par le Fils. Donc cet inventaire après décès a été retrouvé par Daniel Dessert, le célèbre historien des financiers du XVIIe siècle, et exploité par Antoine Schnapper, qui a fait ces travaux qui font autorité sur l'histoire de l'art, l'histoire du collectionnisme en art au XVIIe siècle. Bon. Donc là, ce n'est pas inintéressant de reprendre ces... Alors, je vous fais passer quelques portraits de Fouquet que vous connaissez. Sa collection était à Saint-Mandé. Ce château de Saint-Mandé a quasiment disparu. Il y en avait quelques restes encore au début du XXe siècle. En fait, Fouquet est plus connu pour ses antiques, notamment les fameux sarcophages égyptiens, que pour ses médailles. Eux, on arrive à en suivre les pérégrinations. Et donc, la collection du fils, potentiellement celle du père... elle est surtout remarquable par une série de monnaies romaines, une série de la Rome impériale qui va d'Auguste. Alors là, il s'agit les monnaies que vous voyez, c'est pas des monnaies de Fouquet, mais j'illustre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'idée de constituer une série complète depuis Auguste, en passant par les Antonins, jusqu'à Héraclius, qui est un empereur byzantin, mais encore considéré comme empereur romain d'Orient. Par ailleurs, il est également mentionné une série dite de ce qu'on appelle les rois de Syrie à l'époque, c'est-à-dire les Séleucides. Voilà. Et alors cette composition, elle est assez caractéristique des goûts de l'époque, où c'est la numismatique romaine qui l'emporte, et l'intérêt de constituer une collection de portraits d'empereurs, puisque c'est le grand intérêt que constitue la collection numismatique pour les gens de l'époque, c'est d'avoir des objets authentiques et des portraits authentiques des célébrités de l'Antiquité. Alors, si pour finir sur les indices qu'on a pour l'intérêt de Fouquet sur la numismatique et sur les collections de monnaies et médailles, d'abord, il y a une médaille qui a été réalisée à son effigie, d'ailleurs assez peu flatteuse, comme vous pouvez le voir. Et il faut voir qu'il est assez rare de faire réaliser une médaille à l'effigie d'un personnage. Ça témoigne soit d'une prétention sociale, alors on sait que celle de Fouquet était grande, soit d'un intérêt pour ce médium. C'est une chose assez rare. Tous les ministres du XVIIe siècle n'ont pas été représentés en médaille. Voilà. Ça, c'est le premier indice. Et puis le second, c'est qu'on retrouve dans l'entourage de Fouquet un personnage très mystérieux qui s'appelle Bertinet. C'est une francisation de l'italien Bertinetti. Bertinet qui est l'auteur de très célèbres médaillons postérieurs qui vont être des années 1680 et qui sont maintenant très recherchés des amateurs puisqu'ils tranchent énormément sur la production française de l'époque par leur style, par le style très baroque. Très baroque, voilà. Et donc c'est Bertinet, il y en a quelques-uns au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale, mais j'en ai vu aussi des peu connu et des magnifiques en main privée. Voilà. Alors, ce Bertinet aurait été un secrétaire de Fouquet, c'est un peu incertain. Bon, voilà tout ce qu'on peut dire de cette collection de Fouquet. Très bien. Alors, justement, ça me permet de rebondir maintenant sur un axe qui est quand même très important. C'est justement, comment dirais-je, le fait que déjà, hein, j'insiste, vous avez fait une thèse de doctorat sur les collectionneurs de médailles et sur l'histoire du goût. Alors justement, c'est le moment de parler de ce travail absolument remarquable, initié effectivement par Christophe Pomian et ensuite Antoine Schnapper, qui évidemment ont parlé du collectionnisme et des cabinets de curiosité, etc. Mais donc là, je dirais que pour commencer, quelle est la définition d'un cabinet de curiosité au XVIIe siècle? Alors déjà, l'expression de cabinet de curiosité est rare. On dit cabinet tout court, et dans le cabinet, il peut y avoir toutes sortes de choses. Ça peut être un cabinet de médailles, d'antiques, mais aussi d'armes, de curiosités d'histoire naturelle, d'objets ethnographiques. C'est au fond tout ce qui se rattache au monde de l'objet par opposition à la bibliothèque. Et alors, ce qui ne nous rend pas la tâche facile, c'est que la France n'est pas le pays où les collections se sont transmises avec le plus d'efficacité à travers les siècles. C'est beaucoup plus vrai dans le monde germanique ou en Italie. Et par exemple, on n'a aucune représentation d'un cabinet français avant 1692. Mm-hmm. C'est celui de l'abbaye Sainte-Geneviève. Les plus anciens cabinets qu'on connaît, voilà, c'est très très célèbre. C'est un cabinet d'histoire naturelle
celui de Ferrante Imperato en 1599, c'est un napolitain. Ici, on est un peu plus tard, on est à Leyde, donc on est dans les Provinces Unies, vers 1655, aussi un cabinet d'histoire naturelle. Vous voyez l'effet d'entassement. Et puis là, vous avez une vue du cabinet de Sainte-Geneviève, déjà plus organisé, plus tardif, 1692 donc. Et alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une tendance avec le temps à une spécialisation des collections et à une rationalisation des rangements. Et on passe de, du goût pour le merveilleux, pour le fantastique qui remonte au Moyen-Âge, à des objets comme les cornes de licorne, à une étude scientifique et on va arriver au musée moderne. Les cabinets de curiosité sont les ancêtres des musées. Alors, justement, quelle est la part de la numismatique dans ces cabinets ? Est-ce que vraiment ce sont des objets qui sont en abondance ? Et quelle en est finalement la typologie aussi ? Alors, cette part est très importante parce que il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les grandes fouilles archéologiques n'ont pas encore eu lieu ni en France, ni en Europe, ni en Orient. Et tout ce qui est statut de grande taille est réservé à des fortunes considérables. Donc, le seul objet authentique provenant de l'Antiquité qu'il est facile, relativement facile de se procurer, ce sont les monnaies antiques. Voilà. Et elles ont une valeur particulière dans l'esprit du temps, puisque tous ces personnages dont nous parlons sont soit passés par l'enseignement des collèges, de jésuites notamment, soit par des précepteurs, et pour des personnes cultivées du XVIIe siècle, la littérature, c'est la littérature latine et grecque, et l'histoire, c'est l'histoire de l'Antiquité. Donc, dans leur univers intellectuel et leur paysage mental, eh bien, les monnaies, la numismatique a une place incomparablement plus importante que celle qu'elle peut avoir pour nos contemporains. Bien sûr. Mais alors, du coup, ces monnaies, je dirais que leur intérêt est purement iconographique ou est-ce que ça dépasse justement la représentation Il y a deux valeurs. D'abord, il y a une espèce de valeur encore talismanique, c'est-à-dire qu'il y a toute une idée que les monnaies sont un fruit de la terre, il y a une sorte de miracle de leur apparition de la terre. Et donc, on est encore dans une idée du trésor médiéval. Ce sont des espèces de talismans ou de, comment dire, c'est rattaché à toute la mythologie autour des trésors trouvés. Et puis, vous avez évidemment la valeur historique. Ils sont, les monnaies et là, ils viennent illustrer l'histoire et même la confirmer, parce qu'on n'est pas du tout sûr à l'époque de l'authenticité des témoignages d'Antiquité. Et donc, cette idée de la confrontation des objets avec les textes, elle est encore neuve. Et les gens, à l'époque, sont tout à fait frappés de voir les textes confirmé par des objets. C'est la naissance de l'archéologie. Voilà. Et donc j'imagine que les légendes que l'on voit sur ces monnaies aident aussi l'historien justement à replacer le personnage dans son contexte. Il n'y a pas que l'image, le texte importe aussi. Alors, d'autant que les collectionneurs de cette époque sont très peu artistes. Ils sont plus historiens ou antiquaires qu'artistes. Oui. Et le goût pour la fabrique est un peu différent du goût. Alors, ça amène à une grande distinction de l'époque entre ce qu'on appelle les amateurs, c'est-à-dire que ce serait un personnage comme Fouquet, et puis les connaisseurs, qui seraient eux plutôt des savants. Alors, justement, entre connaisseurs et savants, le mot collectionneur, est-ce qu'on peut vraiment l'attribuer finalement à ces personnes qui s'intéressent à ce sujet ? Ce n'est pas un mot du XVIIe siècle. Quand La Bruyère écrit ses caractères, il parle du curieux, quand il va faire le portrait satirique du collectionneur de fleurs ou du collectionneur de monnaie. Voilà. Mais l'idée est là, le curieux, c'est déjà un collectionneur. Et le vice que dénonce La Bruyère, c'est la folie du collectionneur. Qui s'illustre notamment dans le fait qu'il y a toute une mise en scène de la collection. On a des collections imaginaires qui sont représentées à cette époque. Vous voyez les personnages devant leur médaillé. Il y a toute une économie de la présentation plus ou moins luxueuse de ces collections numismatiques. Alors, ce sont des objets assez connus. Vous voyez, ces médaillés de style boule,
qui sont des armoires basses. Là, vous avez même les petits médaillés à main peuvent être d'un luxe extrême. Voilà. Tout à fait. Et nous en avons deux. Nous avons la chance d'en posséder deux dans les collections patrimoniales de la Monnaie de Paris. Et donc, effectivement, ce sont des objets tout à fait caractéristiques du goût des collectionneurs de l'époque. C'est portatif et en même temps, c'est extrêmement riche, marqueterie de bronze et d'essence rare de bois. Donc, ce sont vraiment de très beaux objets. Et ça correspond au prestige de ces objets pour les hommes du temps. Alors, c'est Antoine Schlapper qui avait remarqué, avec une grande surprise, que une monnaie d'or, un médaillon d'or romain, à l'époque, valait aussi cher qu'un tableau de Poussin ou de Raphaël. Vous voyez, donc il y avait les échelles de valeur sont pas les nôtres. Bien sûr. Alors, dans le dépouillement de différents articles et votre ouvrage, notamment, vous parlez de la République des médailles. Alors ça peut intriguer effectivement notre public. Qu'est-ce que l'on entend par là ? Le concept de base qui apparaît à la Renaissance, c'est celui de la République des lettres. Alors je l'illustre par l'estampe que vous voyez là, qui est de Sébastien Leclerc, un grand graveur qui a travaillé notamment pour Colbert. Et c'est l'Académie des sciences et des beaux-arts. C'est l'héritage d'une espèce d'illusion ou de rêve de la Renaissance. Les artistes et les savants des différentes spécialités vont travailler ensemble au progrès des Lumières. Vous voyez, c'est la transition de la Renaissance aux Lumières. Alors, la République des Lettres, c'est ça, c'est l'idée qu'il y a une communauté européenne de savants au-delà des royaumes et des nations qui eux-mêmes sont en train de se concrétiser, les sentiments nationaux. Dans cette République des Lettres, on distingue la République des Antiquaires. Vous voyez, donc c'est tous ceux qui s'occuperont non seulement de médailles, mais d'antiquités, mais d'inscriptions. Et puis, vous avez la République des médailles, ce sont ceux qui se spécialisent dans les monnaies et médailles. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans un monde encore peu spécialisé, un des premiers secteurs qui s'est spécialisé, c'est justement la numismatique. Alors, c'est un des premiers domaines où on a vu des amateurs exclusifs ou des connaisseurs exclusifs. Alors justement, ça me permet de rebondir sur une autre question. Donc quels sont les plus importants collectionneurs érudits et donc amateurs de monnaie médaille au XVIIe siècle ? Alors en fait, on se retrouve en France. Je laisse de côté le reste de l'Europe parce que ce serait un sujet trop vaste pour ce soir. En France, on va voir très vite apparaître le roi de France. Vous voyez, là, j'ai mis le frontispice de l'histoire de l'Académie des inscriptions. Vous avez Clio, la muse de l'histoire, qui écrit l'histoire du roi avec des médailles déposées à ses pieds, le temps qui la soutient. Et donc, c'est évidemment autour du roi que va s'organiser la curiosité pour la numismatique à partir des années 1660. Auparavant, il y a eu davantage d'initiatives privées et le premier très grand collectionneur dans la famille royale, ça n'est pas le roi, c'est je passe un peu les différentes typologies du temps, voilà, c'est Gaston d'Orléans, donc frère de Louis XIII, frère cadet de Louis XIII et oncle de Louis XIV. C'est Gaston d'Orléans qui sera le premier grand collectionneur de la famille royale. Il meurt disgracié en 1660, il lègue ses collections à Louis XIV et c'est le point de départ de la collection royale qui peu à peu va devenir le point de référence des autres collections. Et en fait, c'est un même phénomène analogue à celui de la formation des académies. Les académies ont d'abord été des sociétés privées et puis à un moment, Richelieu puis Colbert ont dit on ne veut pas que l'initiative privée soit aux affaires, vous allez devenir des corps relevant de l'autorité de l'État. Et on a le même phénomène avec les collections. C'est-à-dire on va voir des achats de collections privées en grande quantité sous Colbert, et puis une espèce de concentration des collections et la constitution de ce qui va devenir le cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Oui. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Cela étant, vous avez là une série d'images sur les différentes typologies. Et ça peut aussi éclairer notre public. Oui, il faut dire un mot. Alors, donc, c'est toujours ce mot médaille. Donc, quand vous êtes dans la littérature numismatique des 17e, 18e siècle, on vous parle toujours de médaille. Bon. Et c'est le mot à deux sens. Je reviens un peu en arrière. Le mot à deux sens, donc, le premier sens de médaille, donc, ça désigne les monnaies antiques, donc des objets qui ont, qui ont circulé comme instrument d'échange. Bon. Et en même temps,
médaille désigne des objets. Alors, en revanche, quand on parle des monnaies du Moyen-Âge, on ne les appelle pas médailles, on les appelle monnaies, voyez, parce qu'elles ont un prestige inférieur. Ah, voyez. Oui. Par exemple, le franc à cheval, pour les gens du 7e siècle, ce n'est pas une médaille, c'est une monnaie. Il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie, oui, une hiérarchie est plus ou moins implicite. Et la médaille, c'est aussi l'objet commémoratif qui se fait depuis la Renaissance italienne, qui, lui, n'a pas de valeur d'échange, mais dont l'iconographie et la composition s'inspirent de la monnaie romaine, c'est-à-dire avec le plus souvent un portrait de profil et des types allégoriques au revers. C'est pour aller très vite, c'est ça. Oui. C'est le schéma de la monnaie impériale romaine que vous retrouvez ici. Alors, j'ai pris une médaille qui commémore le sacre de Louis XIV en 1654. Oui, donc, vous avez cette composition typique avec le portrait royal en habit de sacre d'un côté, et puis la colombe qui apporte la Sainte Ampoule au-dessus de la ville de Reims au revers. Et puis là, vous avez Mazarin, donc ça nous ramène encore à Fouquet, vous voyez, donc on est dans l'environnement, voilà, avec le portrait du ministre d'un côté, et puis un type allégorique de l'autre sur l'encre qui symbolise la fermeté dans les difficultés. Voilà. Alors, justement. Et après, bon, je finis avec Louis XIV. Excusez-moi. Je finis avec Louis XIV, puisque évidemment, c'est là où la production de médailles va s'intensifier. Donc, vous aviez les particuliers faisaient des commandes, généralement une médaille pour un individu, parfois davantage pour des personnalités extrêmement flamboyantes, comme pouvait être le cardinal de Richelieu ou Colbert. Et puis, avec Louis XIV, on arrive avec une production quasiment de masse institutionnalisée et qui va avoir une influence dans l'Europe entière, puisque vous êtes bien placé pour savoir que Pierre le Grand va avoir son histoire métallique et à peu près tous les souverains de l'Europe jusqu'au XIXe siècle, Napoléon compris. Tout à fait. Voilà. Alors, justement, pour revenir un petit peu à Nicolas Fouquet, quelle est l'importance de sa collection par rapport à ce que l'on vient de voir précédemment? Est-ce que c'est une collection qui semblait riche, vraiment rare, avec des exemplaires éventuellement vraiment peu courants? Dans quelle catégorie peut-on classer comme sa collection? Comme j'ai dit au départ, comme on n'a pas d'inventaire complet, c'est difficile à préciser. On peut subodorer, si on compare au reste, faudrait voir aussi s'il avait duré, voyez, parce que son ascension, c'est comme veau qui s'arrête avant la fin des travaux. Voyez. En fait, s'il avait duré, eh bien, je pense qu'il aurait été une sorte d'autre Colbert, c'est-à-dire qu'il aurait collectionné, puis à un moment, il aurait été amené à être l'instrument de la construction du cabinet royal. C'est un peu l'évolution générale de l'État qui voulait cela. Bien sûr. Alors, justement, vous avez déjà amorcé un sujet qui nous tient à cœur ici. C'est justement la collection Louis XIV. Hein. Mmh. C'est vrai que son origine nous intéresse. Et donc, évidemment, le rôle de Gaston d'Orléans est absolument essentiel. Et justement, est-ce que Louis XIV s'intéressait beaucoup aux monnaies, aux médailles? Nous avons ici, à la Monnaie de Paris, un très beau tableau qui le représente enfant avec Jean Varin. Donc on peut effectivement supposer que le jeune roi trouvait un intérêt à passer quelques heures avec ce très grand artiste, graveur, sculpteur, dont justement Versailles conserve une statue monumentale en pied sublime. Donc un artiste vraiment aux multiples talents. Et quel était finalement l'intérêt du roi pour la numismatique? Ça nous ramène à un problème plus général autour de Louis XIV et des arts, c'est que tous les spécialistes vous diront que Louis XIV s'intéressait à leur spécialité. C'est-à-dire que les spécialistes de peinture vous diront que Louis XIV s'est passionné pour la peinture, les architectes par... Et pour avoir rédigé une biographie générale de Louis XIV, je peux vous dire que ces raisonnements sont tout à fait factices. C'est-à-dire que Louis XIV était un homme de pouvoir comme peut l'être M. Hollande ou M. Obama. C'est-à-dire qu'il s'intéressait essentiellement au pouvoir, et au fonctionnement, au maintien de son autorité, au fonctionnement de la machine administrative. Et que donc tout le reste était... Après, il s'intéressait aussi au beau sexe, mais le reste était un peu plus accessoire. Alors, ce qui rend les choses plus complexes, c'est que ces différents intérêts artistiques ont varié au cours de sa vie. Au moment du legs de Gaston d'Orléans, on n'a pas d'intérêt spécifique. Le cabinet de Gaston est transféré au Louvre, mais à proximité des appartements de Mazarin. Après, c'est Colbert qui met tout de suite la main dessus. Et
Et Colbert, je vous ai mis un plan de l'époque, Colbert transfère le cabinet dans la bibliothèque du roi, dans des maisons de location qui sont rue Vivienne. Je sais, vous connaissez le quartier, donc ce qui est le palais Mazarin et les écuries du palais Mazarin, c'est l'actuel BN. Et à l'époque, la bibliothèque du roi est de l'autre côté de la rue, rue Vivienne, dans deux maisons de location qui sont à proximité de l'hôtel Colbert, puisque Colbert a tendance à, comme Fouquet avant lui, à confondre un petit peu les biens du roi et les siens. Ça, c'est une période qui dure une vingtaine d'années. Et puis, là où il se passe un événement inattendu, c'est qu'à la mort de Colbert, Louis XIV fait transférer le cabinet des médailles à Versailles. Et on peut penser qu'il y a eu, dans les années 1680, qui sont un moment, justement, où Louis XIV tend à se prendre pour un empereur romain, il y a eu un moment d'intérêt personnel pour les monnaies et médailles. Et c'est le moment où, donc, à Versailles, on construit des locaux tout à fait fastueux. Alors, il n'en reste pas grand-chose. Il en reste la pièce que vous voyez là, qui s'appelle le Salon de l'Abondance, et qui est à l'ouverture des grands appartements, et qu'à l'époque, on appelait l'antichambre du cabinet des médailles. Et la porte que vous voyez au fond, c'est la porte de l'ancien cabinet des médailles. Et si vous voyez la voûte, les peintures de la voûte évoquent ces objets... Puisque vous aviez dans ce cabinet des médailles, vous aviez à la fois les médaillés, mais aussi les camées, les gemmes et un certain nombre de vases précieux disposés sur des consoles. Et alors, ce cabinet des médailles a été détruit au XVIIIe siècle, j'y reviendrai, mais on voit régulièrement réapparaître dans le commerce des médaillés qui en proviennent et qui se trouvaient pris dans les lambris. Et là, vous avez un de ces médaillés récemment redécouverts. Qui a été disposé au XIXe siècle sur un piétement à pied tourné. On arrive à être sûr de l'identification de ces médaillés parce que à la Bibliothèque nationale, on conserve encore des plateaux d'une forme très particulière qui ne peuvent entrer que dans ces meubles qui sont trapézoïdaux. Ah, oui. Voilà. Donc on est certain. Puis en plus, il y a le monogramme royal qui est sur les marqueteries. Il s'agissait vraiment d'une commande spéciale, là, vraiment. Tout à fait. Alors là, vous avez un de ces tiroirs, ça vous évoque le luxe de ces collections royales, vous avez un de ces tiroirs du cabinet de Versailles qui subsiste, et vous voyez, vous avez une arme de carton, mais qui est recouverte d'un maroquin rouge, comme les livres de la bibliothèque du roi, et avec un sommet de fleurs de lys. Donc, vous voyez, c'est des collections qui ont aussi une importance politique et qu'on entoure d'un certain faste de présentation. Et puis Louis XIV vieillit, meurt, et cette espèce de moment où ce moment numismatique de la monarchie française s'arrête avec son décès, et l'abbé Bignon, donc, qui est le bibliothécaire du roi à partir de la Régence, obtient le rapatriement du cabinet de Versailles à Paris. La décision est prise dès la Régence. Il faut une vingtaine d'années de travaux. Et en 1741, tout vient dans cette pièce qu'on appelle maintenant le Salon Louis XV des médailles de la Bibliothèque nationale, dont les boiseries et les meubles ont bougé à travers la BN et qui sont maintenant du côté rue Vivienne. Donc oui, il y a une sorte de retour vers le site initial. Donc, ça c'est très intéressant parce que maintenant cela me permet d'aborder le troisième volet de cette conférence. Vous avez consacré votre thèse de l'école des chartes donc à l'histoire du cabinet des médailles. Donc vous en connaissez très bien, la construction, l'édification. Donc, à quand remonte la création de ce cabinet? Donc, tout dépend, vous savez, c'est dans une institution... Il faut toujours voir le moment de la première origine, la première idée, et puis le moment où on passe des projets nébuleux à la réalisation concrète. Ça peut y avoir des dizaines d'années. Donc les premières idées, c'est sous Henri IV, un nommé Bagaris, qui est un gentilhomme provençal qui en propose l'établissement à Henri IV. Et en fait, l'institution continue, elle remonte à Colbert. Donc on peut dire au legs de Gaston. Le legs de Gaston d'Orléans, c'est le moment où c'est une histoire ininterrompue qui vient jusqu'à nous et dont on a encore des inventaires de Gaston d'Orléans à la BN, au cabinet des médailles. Alors donc,
une question que l'on peut se poser par rapport à Fouquet, est-ce que ce cabinet était important au temps de Fouquet? Est-ce que de nombreux érudits, amateurs... Alors, mais Fouquet ne l'a connu qu'un an, puisque, oui, vous voyez, il arrive, en fait. Oui. Le legs de Gaston arrive en 60, et Fouquet est arrêté et déchu à la fin de 61. Et oui, donc il n'a pas vraiment... Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant même l'arrestation de Fouquet... Colbert était déjà en train de mettre la main sur les, ce qu'on pourrait appeler les institutions culturelles de la monarchie. Il s'était fait nommer notamment vice-protecteur de l'Académie de peinture et sculpture dès l'été 61. Peut-être que les académiciens avaient senti le vent tourner et devancer le cours des événements. Et donc, Fouquet, en tant que surintendant des finances, n'avait pas d'attribution directe sur ces... Sur cette institution. Voilà, voilà. D'accord. Après, on peut évidemment faire l'histoire. Oui. Si dans la lutte d'influence de 61, c'était pas Colbert qui l'avait emporté, qui peut dire comment les choses auraient tourné. C'est vrai que en fait, on retrouve les mêmes goûts et les mêmes procédés chez les deux personnages, même si on les oppose toujours à l'historiographie. Oui. Il y a toujours l'idée du grand château, puisque finalement, on aura Sceaux pour Colbert, et puis des collections prestigieuses qui sont un peu dans toutes les spécialités, et des collections finalement dont on peut se demander si elles répondent réellement à un goût personnel, voilà, ou si c'est pas l'affichage d'un train de vie. Bien sûr, bien entendu. Alors, le cabinet des médailles est donc une institution très importante à l'époque, et quel type de collections y sont conservées? Est-ce que ce sont uniquement des collections numismatiques? Alors, donc... collection numismatique. Dans la pièce de dans la pièce annexée au grand appartement, vous avez les collections numismatiques. Vous avez donc les caméens taille qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui à la Bibliothèque nationale. Un certain nombre de vases précieux qui maintenant seraient plutôt au Louvre. Voilà. Il est parfois question aussi d'objets en filigrane dont on ne sait pas forcément très bien ce... Il ne semble pas qu'il y ait eu des bustes antiques, c'est pas très clair. Et puis, il faut savoir qu'il y avait une autre pièce qui se trouvait au Grand Commun. Le Grand Commun, c'est cette espèce de caserne qui se trouve à l'entrée du château de Versailles, où, comme son nom l'indique, il y avait le commun, les domestiques, mais aussi un certain nombre de services. Et en fait, toute la partie stockage des pièces de moindre intérêt, et puis les catalogues et le bureau, ça s'appelait le bureau des médailles, se trouvait au Grand Commun. D'accord. Alors... Évidemment, tout de suite, quand on parle de ce genre d'institution, on se dit oh, il doit y avoir des chefs-d'œuvre absolument mais inestimables. Et donc, était-ce vraiment le cas? Et ça, le contraire m'étonnerait beaucoup, en fait. On a les catalogues de la collection de Louis XIV. Bon. Donc, on sait que, par exemple, il y avait des, si je prends la numismatique romaine, des grands médaillons d'or qui, malheureusement, ont été perdus lors des vols survenus au XIXe siècle. Bon. Il y avait des pièces très importantes qui provenaient notamment des achats que Colbert avait fait faire en Orient par ses émissaires. Bon. Et puis, il y a des choses qui sont encore là, qui sont trop peu connues, c'est toutes les médailles qui ont été achetées par les ambassadeurs. Tous les ambassadeurs de France en Europe étaient chargés par Colbert d'acheter les médailles qui venaient d'être frappées et étaient envoyées à la collection royale. Et tous ces objets... Non seulement ils sont répertoriés dans les catalogues, mais ils sont toujours présents. Et alors, notamment pour une étude des médailles qui restent encore, des médailles 17e, 18e qui restent en grande partie à faire, c'est un fonds d'intérêt exceptionnel parce qu'on a des objets dont on est sûr qu'ils venaient d'être frappés. Alors, on sait bien qu'avec les médailles, il y a toujours cette difficulté de savoir si on est devant une refrappe, bien entendu. Et là, on a des objets donc, qui sont excellemment bons. Avec un pédigré exceptionnel. Voilà, exceptionnel. Voilà. Oui, complètement. Donc, alors évidemment, ces collections sont gérées par des spécialistes, hein, on peut l'imaginer, que l'on appelle des gardes, je crois. Et quelle est la mission d'un garde ? Il y a déjà toute une hiérarchie. Oui. Il y a déjà toute une hiérarchie, puisqu'on est en France où il y a une fascination pour la fonction publique. Donc, on multiplie. Donc, au sommet de l'édifice, vous avez un personnage qu'on appelle l'intendant et garde du cabinet des médailles. Qui va devenir à partir de 1684 le bibliothécaire du roi. C'est l'ancêtre lointain de M. Bruno Racine. Vous voyez, c'est le personnage qui cumule à la fois la direction de la bibliothèque et du cabinet des médailles, qui sont sur le même plan protocolairement.
qui est intéressant pour voir le prestige numismatique. En dessous de lui, vous avez ce qu'on appelle le commis à la garde. C'est-à-dire, c'est un personnage qui fait le travail, mais alors que son chef est titulaire d'un office, vénal, il ne peut pas être renvoyé comme cela, lui, il est révocable à volonté. Et on voit, d'ailleurs, ça arrivera, le commis à la garde nommé par Colbert, qui s'appelle Carcavi, après la mort de Colbert, comme il fait partie des fidèles de Colbert, on lui met sur le dos une affaire de malversation et il est éjecté quelques mois après la mort de Colbert. Et on voit se succéder des personnages qui ne sont pas toujours les savants les plus éminents, en fait, mais qui sont plutôt des clients, des protégés, des grandes familles ministérielles. Et il y a une espèce de dichotomie. Vous avez des grands savants, mais qui sont toujours plutôt les... dans l'ombre, finalement, peut-être. Qui viennent un peu comme des intervenants extérieurs. Oui. Par exemple, grand numismate célèbre du XVIIe siècle français, c'est Jean Vaillant. Et Jean Vaillant aura un titre d'antiquaire du roi, mais il ne sera jamais nommé commis à la garde du cabinet des médailles. Ce sera toujours des seconds couteaux, mais qui sont, eux, des fidèles des ministres. Voilà. D'accord. Mais donc, c'est de tous les temps. Bien sûr, voilà. Absolument. Mais il y a quand même un vrai travail d'étude, de classement. Alors, qui est souvent fait, alors c'est là où c'est pas moral du tout, c'est qu'il y a encore des personnages en dessous, qui s'appellent les écrivains du cabinet des médailles, qui sont eux, et eux, les malheureux, ce sont eux qui recopient indéfiniment les catalogues d'une belle écriture que nous pouvons admirer aujourd'hui. Voilà. Bon. Mais donc, c'est quand même un travail extrêmement érudit. Enfin, ça demande des connaissances particulières. Bien sûr. Quand même, alors, c'est pour ça. En fait, on voit que quand les catalogues sont rédigés, on fait appel à ce qu'on appellerait des prestataires extérieurs aujourd'hui, comme Vaillant ou comme d'autres antiquaires du roi, ce qui fait que ces catalogues de la collection de Louis XIV sont d'assez bonne qualité. Bon, après, évidemment, les exigences de description sont tellement plus faibles au XVIIe siècle qu'aujourd'hui, qu'il y a tout un petit sport qui consiste à identifier à partir d'une description très, très succincte des exemplaires aujourd'hui conservés. Bien sûr. Mais donc, peut-on imaginer que dans la collection de Fouquet, on retrouvait des exemplaires également présents au cabinet des médailles? Alors, est-ce qu'il y aurait pu avoir des... Alors, ça, ce genre de généalogie est très difficile à retracer puisque beaucoup de collections françaises ne sont pas renseignés par des inventaires. Et ces inventaires sont parfois... Si on vous dit un denier de Faustine en argent au revers Pax, ça peut être celui-là ou un autre. Voilà. Ça n'est pas impossible. Aucun moyen de le trouver dans l'état actuel, de le prouver dans l'état actuel des connaissances. Je n'ai jamais vu dans mes études du cabinet royal de mention d'une provenance Fouquet. Voilà. Bon. Bah écoutez, c'est bien dommage pour nous, parce que des fois, il arrive que certains collectionneurs apposent une petite marque personnelle, donc au droit ou au revers. Donc ça, c'est quand même, c'est assez fort comme façon marquer sa possession comme un ex-libris pour un livre. Alors, je connais, il me semble que c'est la famille princière d'Est qui mettait des petits aigles, qui sont petite marque sur certaines monnaies pour le signifier. Ce qu'on trouve plus classiquement dans les médailles 17e et 18e, ce sont des marques à l'encre avec des numéros. Et ça, on le trouve assez souvent justement dans ces pièces de bonne provenance arrivées d'Espagne ou d'Italie ou d'Allemagne. D'accord. Enfin, en tous les cas, c'est toujours une marque de possession qui est quand même aussi un trait de caractère. On va dire de celui qui possède. Alors, ça nous paraît une hérésie, mais je pense que les pièces qui ont des marques de la famille d'Est valent plus cher que les autres. Ah, certainement. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est certain. Par rapport au marché, c'est évident, effectivement. Alors, les critères de classement, parce que c'est vrai, nous sommes dans une institution, nous classons des collections également. Donc, c'est peut-être intéressant pour le public de savoir aussi comment on classe, on étudie une collection de monnaies, de médailles, comment on s'y retrouve et quelles sont les évolutions. Est-ce que le XVIIe siècle a apporté, je dirais, des évolutions marquantes par rapport au XVIe siècle et puis par rapport à plus tard? Parce que finalement, je veux dire, on se sert encore aujourd'hui peut-être de certains éléments mis en place à l'époque. Alors, quand on prend les catalogues du XVIIe, XVIIIe siècle, en fait, on est dans un environnement qui nous est encore très familier, parce que mettre les empereurs romains dans l'ordre chronologique, ça paraît logique. Ça paraît logique. Y a, malgré tout, des différences, c'est une espèce d'ordre protocolaire que nous ne connaissons plus. Par exemple,
il y a la plupart du temps, on met à part l'or, l'argent et le bronze. Voilà. Il y a une question de prestige qui entre en considération, notamment pour la collection royale. Louis XIV lui-même va s'amuser à manier des monnaies en or et en argent, et peut-être des grands bronzes. Mais on n'imagine pas, on n'imaginerait pas de mettre entre les mains du roi des petits numis du IVe siècle, vous voyez. Bon, voilà. Et donc, il n'y a pas cette idée que nous avons que c'est l'intérêt scientifique qui l'emporte. Voilà. Donc, c'est un classement d'abord par métal, généralement, or, argent, bronze, avec toutes les significations symboliques que portent ces métaux. Et après, il y a aussi les classements dits par module, c'est-à-dire par la taille, qu'on retrouve d'ailleurs encore en partie, on trouve des traces dans le cabinet de la Bibliothèque nationale actuelle. Et après, mais il faut voir aussi que on n'a pas une science des datations aussi précise qu'on peut avoir de nos jours. Et alors, notamment, vous pouvez avoir des cas où on va classer les monnaies romaines d'un règne dans l'ordre alphabétique des légendes de revers. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'est fait jusqu'au 19e siècle. Voilà. Bien sûr. Mais donc, on est dans un. Il y a déjà une volonté de classification rationnelle, mais elle n'est pas entièrement aboutie parce qu'on n'a pas les instruments dont nous disposons aujourd'hui. Bien sûr. Hein. Mais j'imagine que les gardes du cabinet des médailles étaient en relation épistolaire très certainement avec des collectionneurs et aussi des gardes de collection comme par exemple Bertinet. On n'a pas de preuves vraiment tangibles du fait qu'il se soit occupé de la collection numismatique de Fouquet. Mais enfin, toutefois, j'imagine que ces échanges permettaient de faire avancer la recherche et de se dire, ben, finalement, tel classement est plus pertinent qu'un autre. C'est comme ça qu'on fait avancer. Alors, le lieu d'échange le plus connu, c'est l'Académie des médailles, qui va devenir Académie des inscriptions, où on retrouve un peu tous ces personnages et beaucoup des savants et des grands collectionneurs du temps. On est assez mal renseigné sur les échanges internationaux sous Louis XIV. En revanche, on sait qu'il se développe beaucoup au XVIIIe siècle. Il y a aussi des contextes, la guerre presque permanente sous Louis XIV n'aide pas les échanges érudits entre pays, simplement parce que les échanges postaux sont gênés. Et puis, il y a aussi, il faut voir qu'on est dans un contexte de guerre encore marqué par des controverses religieuses très fortes. Et par des oppositions, mais notamment avec la Hollande qui est un des grands pays numismatiques de l'époque. Donc les échanges sont moins denses qu'après le retour. Les choses vont se calmer après la paix d'Utrecht de 1713, de 1714. Bien sûr. Alors justement, c'est une question qui me vient subitement. Justement, nos relations ne sont pas très bonnes avec les Pays-Bas. Nous savons qu'effectivement, sous Louis XIV, des médailles satiriques sont publiées aux Pays-Bas. Et alors justement, ces médailles satiriques, est-ce qu'on peut en avoir quelques exemplaires déjà au temps de Louis XIV collectionnées ? Elles sont même répertoriées. En fait, il y a deux politiques presque simultanées et contradictoires. C'est-à-dire que on peut récupérer des médailles satiriques contre Louis XIV dans la collection de Louis XIV. On a une anecdote où il y a le nôtre qui montre des médailles satiriques à Louis XIV en disant, vous voyez comme elles sont vraiment rudes, celles-là. Bien sûr. Et puis, par ailleurs, quand dans une collection privée, on trouve des médailles satiriques, là, il y a la volonté de les faire disparaître. Ah. Et parce qu'on est dans une autre configuration qui est celle du livre, ça se rapproche du livre interdit, vous voyez, de la circulation des libelles, etc. Bien sûr. Donc les deux, le roi, lui, a le droit d'avoir des médailles satiriques dans sa collection, de même que le cardinal de Richelieu avait des ouvrages protestants dans sa bibliothèque, vous voyez. Mais en revanche, le commun des mortels n'a pas le droit de s'amuser à collectionner des médailles qui se moquent de Louis XIV. Alors, qu'est-ce qui se passe s'il en collectionne toutefois ? C'est pas possible. On a trace d'une correspondance où il y a, après la mort d'un intéressé, le lieutenant de police vient saisir. Vient saisir. Oui, oulala. Ah oui, donc là, c'est du sérieux quand même. Oui, hein, ça rigole pas, effectivement. Bon, après, on sait que, si on prend l'exemple du livre qui est mieux documenté, on sait que ça n'a jamais empêché
les livres mal pensants ou licencieux imprimés en Hollande circulaient pendant tout le règne de Louis XIV. Enfin, en tous les cas, le domaine de la médaille satirique reste effectivement une frange de la collection numismatique tout à fait pertinente. Et bon, plus tard, évidemment, au XIXe siècle, on sait qu'il y aura beaucoup de médailles satiriques aussi. Donc ça, vous voyez, c'est une petite question qui me venait à l'esprit. Il faut voir aussi que les médailles sont plus connues parfois par les livres de médailles que par les objets eux-mêmes. Voilà. Oui, notamment, vous avez des ouvrages comme l'histoire métallique de la République de Hollande, qui ont beaucoup circulé, puisque l'État de Louis XIV est un État autoritaire, mais dont les moyens d'action sont évidemment d'une faiblesse insigne par rapport à ceux que nous connaissons. Bien sûr. Écoutez, j'aurai encore évidemment des tas de questions à vous poser, mais en tous les cas, ce rôle du collectionneur, de l'amateur de médailles, est vraiment très très important au XVIIe siècle. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir donc de cette conférence, en fait. Et donc, le rôle de Fouquet, finalement, ben, il est relativement minime quand même dans ce contexte-là. Il n'a pas eu vraiment un... Je ne trouve pas une singularité. Il correspond à un modèle qui fait qu'un homme de pouvoir de cette époque... surtout avec ses ambitions, doit être aussi mécène, doit être aussi collectionneur. Et par son milieu, il est imprégné par le modèle de l'Antiquité. Et donc la numismatique fait partie de cette espèce de décor littéraire, artistique, qui doit entourer un grand homme. Fouquet, c'est un homme qui vient de la nébuleuse Richelieu et qui s'est vendu avec des arrière-pensées à Mazarin. Et donc, il faut toujours voir que tous ces ministres de la période de Louis XIV, tous ils se rêvent de futurs Richelieu et de futurs Mazarin, et puis certains, malheureusement, tombent, tandis que d'autres montent. Bien sûr. C'est la loi de la vie. Bien entendu. Alors justement, je rebondis encore une fois. Peut-on imaginer que Fouquet aurait parlé de numismatique avec Mazarin, par exemple ? Est-ce que ça, existe-t-il des archives qui permettent d'avoir quelques indices ? Ou alors, c'est un sujet qui n'était pas étudié. Les lettres qu'on a, ce sont essentiellement des lettres d'affaires. Et quand on parle d'argent, on y parle d'argent sonnant et trébuchant. Oui, uniquement, oui. En fait. Bon. Bah, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre intervention, monsieur Sarmont. Je me permets de faire, comment dirais-je, une dernière petite intervention pour mettre en avant votre actualité littéraire. N'est-ce pas ? Vous avez reçu très récemment, au mois d'octobre, le 39e prix de la Fondation Pierre Laffus sur un ouvrage intitulé 1715, la France et le monde. Tout ça pour dire que vous êtes un historien numismate éclectique et qu'il n'y a pas que la numismatique qui vous intéresse, et tant mieux pour nous lecteurs. Merci infiniment. Et si dans le public vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je remercie infiniment ITECOM Art Design pour la captation d'images. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.